Oui, ben, on allait toujours à la lavande, quoi. Toute la famille allait à la lavande, quoi. Et on ramassait la lavande sauvage. Quand on était petit, quoi, ça durait un mois et demi. Et malgré tout, on ramassait une certaine quantité, quoi. On faisait 80 à 100 kilos d'huile essentielle, quoi. Ma fille a repris la suite, quoi. Mais bon, en fait, il faudrait qu'ils soient un peu plus nombreux, quoi. Le partenariat entre France Lavande et Givaudan s'est engagé en 2006. Ce qu'on attendait, c'est de vendre directement à l'acheteur, de ne pas passer par d'autres cases. Et le but d'une coopérative, c'est de pouvoir dire à ses adhérents ce que devient sa marchandise. Tout est un combat quand on est exploitant de toute façon, mais la lavande en est un. Faire survivre la lavande, c'est faire survivre les exploitants et la coopérative. Et puis aussi peut-être quelque part un peu de Givaudan. Le dépérissement, c'est une microbactérie, un phytoplasme, qui est transmis par un minuscule insecte qui est une cicadelle. Et cette cicadelle, en fait, en piquant la plante pour s'alimenter, transmet la maladie et entraîne une mort plus ou moins rapide en fonction des espèces et des variétés. Donc ici, nous sommes dans une serre de production de pied-mère de lavande et de lavandin certifiés. L'objectif de ce travail de production de plants sains consiste en fait, après vérification auprès d'un laboratoire, de fournir auprès des pépiniéristes des plantes de lavande et de lavandin qui sont indemnes de virus, de phytoplasmes. Puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait avoir jusqu'à 20-30% des plants qui pouvaient être malades dès la plantation. Givaudan a mis en place avec la coopérative et un appui technique extérieur qui est celui du CRIEPAM, 4 pépinières de plants sains qui permettront de fournir les adhérents de France Lavande en bouture et en plants sans maladie. L'objectif de notre partenariat est de participer à l'éradication ou en tous les cas à la lutte de cette plaie, de cette maladie, dans l'objectif de pouvoir poursuivre l'utilisation des lavandes à long terme dans nos créations. I was born in the south of France, not far from here, and I've always been surrounded by the smell of lavender, starting with my grandparents' house. My grandmother used to store beddings in a cupboard filled with lavender. So lavender has always been part of my childhood. When I smell lavender, it reminds me of a very comfortable place, cocooning, I feel relaxed. I love the clean freshness of the floral sea. It's got some subtlety in the herbal note that takes me to the countryside, so it's got a very natural feeling for me. Sur les champs de population, il y a tellement de variétés qu'on peut découvrir une facette de la lavande. Alors, une facette fruitée, une facette florale, une facette plus poudrée, une facette plus fraîche. Donc, j'ai enrichi mon vocabulaire, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler une lavande comme on travaille une rose, comme on travaille un jasmin, et de lui donner toute sa féminité, puisqu'elle a une part féminine qu'on n'a pas beaucoup explorée. Et je crois que c'est ça qui reste à faire, en tout cas pour moi.